paupières. On ne pourrait jamais penser qu'un petit village, enfin une petite ville comme Onscott, on puisse avoir la ministre qui vient individuellement écouter maintenant. Hein. Bonjour. Madame. Vous êtes de confrérie de quoi ? La confrérie du vin de Flandre. Le but de cette journée, c'est de rencontrer des citoyens qui habitent Onscott ou qui habitent un peu plus loin et qui ont envie de voir un ministre et qui ont envie de lui poser des questions. Et moi, j'essaie de leur répondre, bien sûr, puis j'essaie de trouver une solution aux problèmes qu'ils me présentent éventuellement. Et ce que j'aurais à vous demander, c'est comment vous voyez l'avenir des associations, surtout des bénévoles, le travail des bénévoles, et que compte faire le gouvernement pour nous aider financièrement. Il y a des sujets très différents, mais en tout cas, quand on vient comme ça sur le terrain, en proximité, on voit combien les gens sont heureux de voir un ministre en chair et en os. Les maisons d'accueil au public sont des lieux, au fond, où les Français peuvent trouver des réponses à leur vie quotidienne. Bonjour. Bonjour. Thibaut Mathieu, enchanté. Je suis dans l'informatique. Au niveau local, je fais une initiation informatique. Aujourd'hui, c'était vraiment important pour nous d'accompagner la ministre et de pouvoir échanger directement avec des personnes comme Thibaut qui ont des projets vraiment intéressants. C'est quelque chose qui permet de recoudre les territoires qui se sentent un peu délaissés, comme certaines ruralités. On vit pas ça tous les jours, demain ce sera le calme plat ici, hein. Voilà.